Goedemorgen aan iedereen. Dames en heren, van harte welkom bij de start van een nieuwe reeks, een webinarreeks met de belangrijke topministers van de federale regering. Wij willen inderdaad inzetten op het uitdragen van kennis en informatie over de regering, over het regeringsakkoord. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir parmi nous David Clarinval, ministre fédéral des classes moyennes, des indépendants et des PME. Je suis très content, David, de vous avoir parmi nous, parce que c'est une première pour l'AFEB. On inaugure également notre studio, nouveau studio. Mais vous êtes aussi le ministre de l'Entrepreneuriat. Et pour nous, l'AFEB, la Fédération des entreprises de Belgique, il est très important d'avoir un ministre parmi nous qui nous soutient, qui propose des mesures pour faciliter l'entrepreneuriat et également qui gère avec les autres ministres du gouvernement fédéral la crise Covid. Et nous nous posons aujourd'hui la question, la crise Covid, comment est-ce qu'on gère cette crise? Quelles sont les mesures importantes que vous avez prises et que vous allez peut-être encore prendre? Mais également, comment est-ce que nous gérons, comment est-ce que nous allons gérer notre pays, notre économie, post-Covid, après Covid? Dus wij willen vandaag twee luiken samen behandelen. Wat gebeurt er vandaag op het vlak van het beheersen van de COVID-crisis? Maar ook, wat zal er nadien komen? En dat is misschien nog een vraag die belangrijker is. Dus, meneer De Visse, u was vice-eerste minister tot een paar dagen, maar minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's, ik geef u graag het woord voor uw keynote speech. Veel bedankt, Pieter. Merci beaucoup, Pieter. Merci aussi de me donner l'occasion d'être présent aujourd'hui pour un ministre des indépendants, mais aussi pour un ancien gérant d'entreprise de la construction. C'est particulièrement agréable d'être ici dans vos nouveaux studios qui sentent encore la peinture fraîche, donc on sent que c'est vraiment inauguré récemment. Donc c'est un double plaisir de participer à ce moment avec vous pour pouvoir aussi vous parler, comme tu me l'as demandé, à la fois du volet Covid, parce que en effet la crise Covid est toujours... nous sommes toujours en plein dedans, mais aussi sur la politique plus générale post-Covid, parce que je crois que les entreprises ont besoin de savoir aussi quelle est la politique que le gouvernement a envie de mettre en place post-Covid. Il y a des enjeux importants à relever et je crois que c'est le moment de pouvoir vous en parler plus en détail. Donc, si vous me permettez, en quelques minutes, tout d'abord de vous parler des mesures à court terme. Donc, on a sur le plan Covid, on a veillé depuis le mois de mars avec le gouvernement de Sophie Wilmès et puis ensuite de Alexander De Croo. Beaucoup de mesures au niveau fédéral ont été prises, principalement, si on peut synthétiser, des mesures en termes de liquidité. Donc, que ce soit les exonérations ou les reports de cotisations, le financement des pécules, les garanties bancaires, donc ce que l'on a appelé le bazooka d'Alexander De Croo, qui aujourd'hui est en cours de renégociation par mon collègue Vincent Van Petegem et les instances européennes pour pouvoir également être prolongé, mais aussi les mesures très importantes de chômage temporaire. Toutes ces mesures qui ont été prises et parfois dans la précipitation sont en fait des mesures qui sont en lien avec la liquidité des entreprises. On essaye d'apporter des liquidités pour que les entreprises puissent franchir le cap de cette crise et reprendre leur activité normal, mais on constate aujourd'hui que, et la deuxième vague a accentué ce problème, on constate aujourd'hui qu'il y a des mesures plutôt en termes de solvabilité qui vont devoir être prises. La différence est fondamentale puisque la liquidité, ça permet de franchir une étape, la solvabilité, ça permet d'avoir une prise de capital ou en tout cas un soutien plus fort, parce que la crise risque de durer plus longtemps et qu'il faut permettre aux entreprises saines qui n'auraient pas subi de difficultés s'il n'y avait eu cette crise Covid, de pouvoir reprendre leur activité normalement. Alors les mesures de solvabilité qui sont en cours de discussion actuellement, la première est bien connue puisque c'est le moratoire des faillites. Et donc il y a eu un moratoire des faillites, on l'a prolongé jusqu'au fin du mois de janvier. Aujourd'hui, il faut savoir aussi que l'ONSS, le SPF Finance, n'ont pas entamé de procédure à l'égard des entreprises parce que c'était un moratoire de fait, c'était une mesure de soutien. En effet, il était et il faut savoir que l'ONSS et le SPF Finance, ce sont les principaux
entreprises, entre principaux donneurs de procédures de faillite. Et donc, c'est un coup de pouce important pour nos entreprises. Mais il y a aussi donc la réflexion sur le post-moratoire. Et donc, mon collègue Vincent Van Quickenborn, avec d'autres, réfléchit à des mesures. Donc, c'est une forme d'aide spécifique, de PRJ adaptée, plus souple, par exemple pour le secteur de l'événementiel, pour le secteur du transport ou pour le secteur du tourisme, qui malheureusement risque de subir cette crise de Covid plus longtemps que les autres, parce qu'il faudra plus longtemps pour relancer le tourisme international, pour relancer le transport, et donc l'événementiel, on risque d'attendre encore un moment avant d'avoir de grands événements, et donc il faut que l'on puisse, notamment pour ces secteurs, mais aussi d'autres, avoir une gestion post-moratoire faillite pour pouvoir les soutenir et qu'elles puissent redémarrer ultérieurement. On a aussi sur la solvabilité des mesures en cours de tax shelter, de financement alternatif de divers ordres. On a aussi des discussions sur les dettes de quasi-fonds propres. Donc, le gouvernement aujourd'hui réfléchit sur ces taxes solvabilité parce qu'il doit venir en appui des mesures de liquidité qui ont été apportées jusqu'à présent. Et ces mesures-là sont principalement dans les mains de mon collègue Vincent Van Petegem. Il y a aussi un volet sur le Brexit à court terme dont on parlera tout à l'heure. Mais je voudrais maintenant vous dire que à court terme, il faut donc prolonger ces mesures et apporter ces compléments en termes de solvabilité. Dans les mesures à plus long terme, donc on va aller dans le post-Covid, parce que c'est vrai que on est le nez dans le guidon sur les mesures Covid, mais il faut aussi penser à plus long terme. Et donc, plusieurs éléments à mettre à l'avant-plan. Le premier, c'est ce qui nous occupe déjà aujourd'hui, avec notamment notre collègue Dermin, c'est le plan de relance et d'investissement. Donc, ce plan de relance et d'investissement, il comprend principalement trois axes. Le premier, ce sont des mesures de relance pures et simples, mais on a aussi des investissements stratégiques parce que, et ça c'est dans la lignée de ce qui avait été déjà initié par Charles Michel lors du précédent gouvernement, on constate qu'il manque d'investissements en Belgique, des investissements structurels ou des investissements stratégiques, et il faut que l'on puisse apporter cette réponse-là à court terme. Et puis alors des réformes structurelles, parce que l'Europe qui nous aide dans ce plan de relance, qui va apporter des crédits importants, réclame à juste titre, je pense, aussi des réformes structurelles. Et donc, pour pouvoir implémenter ces trois axes-là, on va travailler sur cinq volets. Et donc, les volets sont connus, je serai assez bref là-dessus, mais vous imaginez fort aisément qu'il y a un axe d'abord sur le volet durabilité, innovation, évidemment, c'est la recherche, l'innovation sont des éléments au cœur de notre réflexion. Mais il y a la transformation digitale, c'est un deuxième volet sur lequel un axe fort va être mis en avant. Il y a la mobilité, les travaux publics. On sait très bien que en Belgique, la mobilité doit être améliorée, et donc des efforts particuliers vont être menés là-dessus. Il y a un volet social, évidemment, et un volet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la productivité, la compétitivité de nos entreprises. Et donc, ce sont ces cinq volets qui vont être mis en avant au travers de ce plan de relance et de résilience. Mais il n'y a pas que le plan de relance et de résilience, il y a aussi, de manière globale, et ça me concerne plus spécifiquement, dans ma politique que je vais mettre en avant pour les entrepreneurs, il y a six piliers qui vont être développés. Je ne vais pas tout expliquer aujourd'hui parce que je n'aurai pas assez de temps avec ce quart d'heure, mais d'abord le pilier compétitivité, fiscalité, lutte contre le dumping social. Ce sont évidemment des sujets qui me tiennent à cœur. J'avais d'ailleurs, il y a plus de 5 ans déjà, fait une résolution au Parlement pour lutter contre le dumping social. Donc, vous dire que c'est un point qui me tient fort à cœur. Mais évidemment, en tant que ministre indépendant, je ne peux pas ne pas évoquer le deuxième point fort qui est l'amélioration du statut social des indépendants et le soutien à l'esprit d'entreprise. Le troisième volet qui guidera mon action, c'est la protection des entreprises contre les retards de paiement. Et là, il faut battre sa coulpe. Il est parfois fréquent que l'État lui-même soit en retard pour les paiements. Et donc, il faut aussi que l'on puisse à la fois mettre des règles qui permettent aux entreprises d'être payées plus vite, mais il faut aussi que l'État paye plus rapidement. Je crois que c'est indispensable. Et ça participe du quatrième volet, qui est la simplification administrative, parce qu'en effet, on me dit que c'est souvent bateau, mais c'est bateau peut-être,
Mais d'un autre côté, c'est important qu'on ait ce focus-là parce que on le constate, même dans les nouvelles décisions qui sont prises, parfois on a tendance à vouloir trop complexifier les choses. Un volet qui tient fort à cœur à votre serviteur, mais aussi à Sophie Wilmès, qui est en charge de la politique internationale, c'est pouvoir permettre aux PME d'être plus actives sur le plan international. Et donc, le Brexit est un de ces éléments-là. Donc, on aura un focus spécifique là-dessus. Et il y aura des mesures sectorielles pour des secteurs particuliers. Alors, on n'entend pas le secteur comme on l'entend habituellement, le secteur professionnel. Ici, ce sont plutôt des secteurs de la population, donc les femmes. Il n'est pas assez de femmes entrepreneurs. À peine un tiers des entrepreneurs sont des femmes. Donc, des actions doivent être mises en place avec le soutien des réseaux féminins. On a aussi, malheureusement, trop peu d'entreprises qui sont dirigées par des personnes d'origine étrangère. Et donc, je crois qu'il y a aussi là moyen de pouvoir mener une politique intéressante à cet égard. Et également, le gouvernement a demandé que l'on puisse aussi être actif sur les personnes handicapées pour qu'elles puissent aussi être actives en tant qu'entrepreneurs. Et dans ces six axes principaux de ma politique, je vais simplement souligner quelques éléments importants. Donc, la prolongation des mesures sur zéro cotisation. Vous savez que Willy Boursu avait mis en œuvre cette politique. Ça fonctionne vraiment bien, puisque rien que ce premier trimestre 2020, on a plus de 50 000 entreprises qui ont utilisé cette mesure, principalement dans le commerce, dans l'horeca. Bon, évidemment, depuis lors, le Covid est arrivé, mais cela vous démontre le succès. On a 53% en Flandre, 30% en Wallonie, 17% à Bruxelles. Donc, la décision a été prise avec mes collègues Van den Broek et Dermagne, et nous allons pouvoir pérenniser cette mesure. Je crois que c'était fondamental de pouvoir le dire. On a aussi un axe dans ces mesures qui vise à améliorer l'accès des PME au marché public. La loi de 2016 avait cette ambition-là. Malheureusement, depuis 2016, on constate que dans les faits, la part des PME qui ont pris part à des marchés publics a diminué. Et donc, il faut évaluer cette loi et voir comment on peut l'améliorer pour permettre justement aux PME d'être plus actives dans les marchés publics. Enfin, un axe fort mené par mon collègue Van Petegem, mais qui touche les PME premier plan, c'est la fiscalité. Donc, on a décidé de diminuer à 6% le taux de TVA pour la démolition-reconstruction, avec certains critères. Mais donc, ça va doper, j'espère, le marché de la construction, alors qu'on craint qu'il y ait un problème l'année prochaine. Donc, c'est une mesure de soutien également. La prolongation de la déduction majorée pour investissement, donc on maintient les 25%, et ça, c'est pendant un certain nombre d'années encore. Donc là, ça touche évidemment, ça soutient l'investissement des entreprises. Et enfin, une nouveauté, un avantage fiscal pour les entreprises qui vont offrir plus de formation à leurs travailleurs que ce que la base légale leur demande. Donc, on encourage fiscalement la formation au sein des entreprises. Pour le statut social des indépendants, je serai bref parce que je pense que le temps avance. Mais en fait, tout d'abord, globalement, on veut travailler sur un statut plus robuste parce que c'est fondamental que les indépendants bénéficient d'un statut au moins équivalent à celui des travailleurs salariés. Et cela passe notamment par des mesures prises dans le cadre du Covid, les passerelles, les doubles passerelles. Je rappellerai simplement que les doubles passerelles sont octroyées aux entreprises, sont obligées de fermer. Donc, Horeca, on a aussi l'événementiel et les forains, mais aussi les fournisseurs de ces secteurs. Et maintenant, on a élargi aussi aux entreprises ou aux commerces qui ont été fermés. Donc, la double passerelle est acquise jusqu'à fin de cette année. Pour l'année prochaine, un nouveau mécanisme de passerelle va être mis en place. Elle est intersectorielle, c'est-à-dire que parfois, certains secteurs, comme les professions libérales, n'avaient pas toujours accès à la passerelle. Aujourd'hui, ce sera possible, mais elles devront avoir, en 21, une diminution de leur chiffre d'affaires de 40%. Et je crois que là, on aura une passerelle qui sera plus juste, puisqu'elle soutiendra tout le monde, tous ceux qui ont subi une perte de chiffre d'affaires, quel que soit le secteur dans lequel elles sont actives. Alors, également, toujours pour le statut social des indépendants, rappelez quand même que la crise actuelle est terrible et je reçois souvent des appels au cabinet, mais également à l'INASTI. Il y a des aides qui sont mises en place, à la fois économiques, mais aussi sur le plan psychologique, parce qu'on voit que certains indépendants sont au bout du rouleau et on peut les comprendre. Et donc, personne ne sera laissé au bord du chemin.
Il y a des numéros verts qui sont donnés au niveau de l'INASTI pour pouvoir avoir des aides aussi sur le plan psychologique. Je sais, ce que je vais dire va peut-être choquer, mais et étant moi-même issu d'une famille d'indépendants, ce message est difficile à faire passer, mais il y a aussi le CPS. Je sais que les indépendants n'ont pas ce réflexe, parce que pour eux, le CPS n'est pas fait pour eux, mais il faut quand même bien se rendre compte que l'État a débloqué des moyens pour les indépendants au travers des CPS, et donc dans certains cas où il y a plus de, où vous avez l'impression qu'il n'y a plus de solution, s'adresser au CPS permet aussi d'avoir par exemple un prêt qui permettrait de pouvoir parfois passer le cap. Donc il ne faut pas avoir peur de franchir le pas, même si c'est difficile, même s'il y a une pudeur, je comprends très bien cela, mais la crise est historique et donc les réponses doivent apporter son historique également. On a aussi mis en place une task force groupe vulnérable dans laquelle les indépendants seront soutenus. Là, on parle plutôt d'un soutien psychologique plus général. Alors, outre les mesures Covid pour le statut des indépendants, évidemment, la mesure phare, ce sera la pension, puisque vous savez que l'ambition du gouvernement est d'aller vers 1500 euros de pension pour tout le monde, et donc évidemment aussi pour les indépendants. Et là, l'effort qui va être consenti est majeur. Il a déjà commencé, puisque au 1er janvier, nous aurons près de 3% d'augmentation nette des pensions des indépendants qui ont une carrière complète, évidemment. Mais aussi, on a supprimé le coefficient de correction. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il faut savoir que les indépendants, ils avaient une pension qui était calculée sur 69% de leur cotisation. Donc, ils avaient cotisé 100%. Donc, on considérait 69% et on leur donnait une pension sur base de 69%. Ce coefficient de correction qui a été inventé dans les années 80 est supprimé à partir du 1er janvier. Et donc, cela va avoir aussi un impact sur les pensions. Alors, c'est uniquement pour le futur. On n'a pas eu d'accord pour l'effet rétroactif. Il faut dire que ça aura engendré un coût majeur. Mais en tout cas, cela aura un impact pour le futur dès le 1er janvier. Et vous ajoutez à ça les indexations classiques. Et donc, on va avoir bien au-delà de 5% d'augmentation des pensions l'année prochaine. On a aussi pris une mesure sur le congé de paternité. Donc, on va permettre aux indépendants comme aux salariés de pouvoir bénéficier de 15 jours de congé de paternité, voire de 30 demi-journées à partir de 21, et 40 jours, 20 jours complets ou 40 demi-journées à partir de 23. Le modus operandi est un peu différent, puisque là, on a des primes et des titres services qui sont mis en place pour les indépendants, parce que les indépendants ne prennent pas facilement congé, ils doivent travailler, et donc on leur permet d'avoir une prime ou alors des titres-services pour pallier le temps perdu et peut leur permettre de pouvoir s'occuper de leur famille. Voilà globalement et rapidement les axes prioritaires à la fois dans le cadre du Covid et en dehors du Covid. J'ajouterai simplement un élément, c'est que je suis aussi en charge des réformes institutionnelles, et donc là je peux synthétiser les choses rapidement. Vous dire que le gouvernement veut pendant une année prendre le pouls de la population via une plateforme de partage d'informations. Donc j'invite évidemment la FEB et tous les membres à prendre leur part du dialogue, investir en donnant des informations, en voyant comment ils pensent l'avenir de ce pays. Au terme de cette année 2021, qui sera une année d'écoute, Le politique alors prendra en main le rapport et tentera de mettre en place des propositions de loi, trouver des majorités pour rendre l'avenir de notre, enfin le paysage de notre pays plus homogène. Et aussi, c'est une phrase que je vais vous lire parce qu'elle est: renforcer les entités fédérées dans leur autonomie et du fédéral dans son pouvoir. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de tabou, on va à la fois renforcer l'autonomie des entités fédérées, mais aussi le pouvoir du fédéral. Donc c'est ça la gageure que nous devons faire dans les années à venir, pour pouvoir ensuite avoir des textes de loi qui seront votés après les élections, parce que telle est la procédure de réforme de la Constitution. Il faut qu'il y ait des élections entre le moment de l'ouverture des articles à réviser et le moment des votes des textes. Voilà, Martin, en moins de d'un quart d'heure, j'espère, une synthèse. En moins de 20 minutes. Eh bien voilà, j'ai essayé de tenir le timing, le chrono. Challenge. Voilà, merci. Voilà, on va prolonger la discussion, David Clarinval, avec quelques questions, et puis il y aura des questions des gens qui nous suivent via le digital, évidemment, qui peuvent poser toutes leurs questions au ministre. Alors, je rappelle que vous êtes en charge des classes moyennes, des indépendants, des PME, de l'agriculture également. Exactement. Et puis des réformes institutionnelles. Alors peut-être pour rebalayer et prendre un cadre
macroéconomique, il y a toute la jungle, entre guillemets, des aides dont vous avez parlé, et on peut y revenir, on va y revenir, mais les gens se demandent, est-ce qu'il y a de l'argent pour ces aides, finalement? Puisque vous avez exercé, vous, David Clarinval, la fonction de ministre du budget dans un exécutif fédéral précédent. On sait que le Covid est passé par là, les chiffres, évidemment, budgétaires se dégradent terriblement. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il reste de l'argent dans les caisses, David Clarinval? Oui, en tant qu'ancien ministre du budget, c'est une question que l'on me pose beaucoup, ou l'on me posait beaucoup. Pourquoi, comment subitement, on a l'impression que l'argent tombe du ciel? Bon, ah. L'argent ne tombe pas du ciel, malheureusement, mais c'est vrai que pour le moment, l'argent n'est pas cher. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Europe, et la Banque Centrale Européenne notamment, a décidé de mettre à disposition des États deux outils. Le premier, c'est des taux de crédit très faibles, voire même négatifs. Mm-hmm. Donc, ça veut dire qu'on autorise les États à emprunter massivement. Et en Belgique, cette année, on va emprunter plus de 30 milliards d'euros, ce qui est largement le double de ce que l'on emprunte les autres années, mais à des taux qui sont nuls, voire quasi nuls. Et donc, cela permet de pouvoir avoir de l'argent rapidement pour notamment financer le chômage temporaire ou les droits passerelles. Et puis, ils ont aussi permis une deuxième chose, c'est que les dépenses Covid ne seront pas calculées, ne seront pas implémentées dans le déficit structurel de l'État. Donc il y a une exception qui est faite parce que, évidemment, tous les pays européens sont confrontés à cette crise, hein, on n'est pas une île, et dès lors, ils se disent, OK, les dépenses Covid, vous n'en tiendrez pas compte dans la trajectoire budgétaire que vous devez mettre en place pour atteindre à un certain moment, l'équilibre ou pas. Ça reste l'objectif pour les gens qui nous suivent, l'équilibre budgétaire, ou bien c'est une chimère. Non. Le gouvernement a mis en place une trajectoire, okay. Avec notamment des économies à mettre en place, avec des diminutions de dépenses aussi, mais on peut sortir de cette trajectoire les dépenses Covid. Et donc ça, ce sont deux éléments importants qui nous permettent de pouvoir trouver des moyens à court terme pour pouvoir aider les entreprises, les citoyens à passer cette crise. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, l'argent ne tombe pas du ciel. Il faut tout de même le rembourser à un certain moment. Et dès lors, on doit quand même rester attentif aux dépenses qui sont menées pour qu'elles soient judicieuses. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que les dépenses que l'on fait soient de l'overshooting sur certains aspects. Et donc, il faut quand même des mesures bien calibrées. Ça, c'est pour le budget. La dette là, qui passe les 100% du PIB, ça, c'est symboliquement difficile, ou bien vous dites, finalement, voilà. Mais tous les pays européens vont voir leur dette augmenter. En effet, on avait réussi, sous le gouvernement Michel, à descendre à 99% du PIB. Donc, c'était un bel effort avec le gouvernement Michel à l'époque. Bon, la crise Covid fait qu'aujourd'hui, je crois qu'on va atteindre les 112%, malheureusement. Donc, c'est une hausse très forte. Mais comme je vous l'ai expliqué, théoriquement, ces dépenses sont dues au Covid. Et donc, l'État doit en tenir compte dans l'Europe va en tenir compte dans les calculs d'efforts qui nous seront imposés par l'Europe. Donc, évidemment, c'est dommage, hein, mais cette crise est historique. On n'est pas le seul pays à subir cette hausse de la dette, et donc il faudra évidemment la rembourser, et ce sera intégré dans les trajectoires. Il y aura une marge de manœuvre qui sera donnée par les autorités européennes en la matière. Alors, si on doit vous demander maintenant une radioscopie peut-être du paysage entrepreneurial belge, vous les trouvez dans quel état aujourd'hui les entreprises belges? Mais disons qu'il faut distinguer les entreprises qui ont dû fermer et celles qui ont pu continuer à travailler. Donc, celles qui ont pu continuer à travailler, malgré les difficultés, parce que souvent, elles ont dû faire face à des travailleurs qui sont malades ou à des fournisseurs qui étaient dans des situations difficiles. Ça n'a pas été une année normale, mais malgré tout, je pense que le moral reste positif. Les entrepreneurs Disons, celles qui ont pu continuer à travailler, elles craignent. On voit que le moral diminue, c'est clair, mais elles craignent que la crise continue, mais le moral est meilleur dans ces entreprises que dans celles qui ont dû fermer. Parce que je peux vous assurer, et pour être encore allé rencontrer des entreprises et des commerçants, des restaurateurs hier, toute l'après-midi, le moral des entreprises qui sont fermées est vraiment terriblement impacté. Et c'est pour ça qu'on peut même être inquiet à l'égard de certaines entreprises
parce qu'on voit bien que même psychologiquement, les gérants sont dans une situation de détresse. Et donc, voilà, j'ose scinder les deux groupes en sachant que c'est difficile pour tout le monde. Mais donc, honnêtement, c'est pour ça que, espérons que la situation sanitaire nous permette de réouvrir le plus vite possible les secteurs qui sont encore fermés. Et c'est vraiment, dans cette crise, cette pandémie, c'est vraiment l'HoReCa, diriez-vous, le secteur qui pâtit le plus, qui souffre le plus de cette pandémie, ou c'est plus large que ça En fait, je pense qu'il y a l'HoReCa, bien sûr, mais il y a aussi l'événementiel. Vous savez, ces entreprises qui organisaient des spectacles, des activités culturelles, des activités événementielles, elles sont à l'arrêt depuis le mois de mars. Vous avez aussi le transport, donc tout le secteur touristique. Donc, il n'y a quasiment plus de voyages touristiques. Je pense aussi aux hôtels. Les hôtels internationaux à Bruxelles, c'est morne pleine depuis des mois. Et donc, les agences de voyage. Donc, vous avez tous ces secteurs-là, le transport. Et par exemple, le transport, vous avez aussi des répercussions dans l'industrie, parce que vous avez des entreprises bien connues en Wallonie, Safran et Robooster, ou d'autres, qui sont impactées aussi par le fait qu'il n'y a plus d'avions ou moins d'avions qui volent. La chaîne d'approvisionnement. Donc, les chaînes d'approvisionnement sont toutes impactées. Donc, il y a quand même beaucoup de secteurs qui sont aujourd'hui dans une situation difficile. La fermeture, c'est une chose, mais la diminution de la demande est, je crois, la préoccupation principale des entreprises aujourd'hui, parce que certaines entreprises n'ont tout simplement plus de demandes, n'ont plus de clients. Et donc, c'est pour cela qu'il faut espérer que l'épidémie se termine le plus vite possible, que les vaccins puissent être rapidement mis à disposition des patients et que l'on puisse relancer tous ces secteurs qui sont en souffrance actuellement. Et donc c'est véritablement l'arrivée du vaccin qui va relancer la machine économique aussi. Hein. C'est là où on voit vraiment l'intersection de la politique de santé publique et économique. David Larinval, une question qui peut paraître anecdotique mais qui ne l'est pas. Qu'en est-il des soldes? Parce qu'il y a tout un débat là autour, ça brasse énormément d'argent. C'est peut-être une lueur d'espoir aussi pour les commerçants. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Alors, les soldes, nous avons discuté avec mon collègue d'Hermagne depuis plusieurs jours sur ce sujet. On a consulté les secteurs, donc principalement les secteurs du commerce. Les secteurs n'étaient pas unanimes. On peut dire que le secteur du textile aurait préféré que l'on reporte les soldes. La plupart des autres secteurs préféraient que l'on garde les soldes actuellement. Et donc, on a tranché avec mon collègue d'Hermagne hier soir. Et les soldes auront lieu courant le mois de janvier, comme prévu, pas de changement. On va juste décaler un peu la date de début des soldes, puisque ça se fera le lundi 4 janvier au lieu du samedi 2. Donc on laisse le week-end le 2 et le 3, le samedi et le dimanche, pour permettre de se préparer. Mais elles auront bien lieu début janvier. Donc elles auront lieu début janvier. Toutes les mesures, on va pas revenir sur toutes les mesures dont vous avez parlé en première partie d'interview, mais elles seront, alors si on parle des zéro cotisations, etc., qu'est-ce qui va être prolongé, qu'est-ce qui ne va pas l'être alors? Parce qu'il y a un flou pour le moment. Les entrepreneurs peuvent se demander, voilà, à quelle sauce est-ce qu'on va être mangé. Les mesures Covid prises en termes de liquidité, je pense qu'elles seront pratiquement toutes prolongées. Okay. Peut-être à l'exception de l'une ou l'autre, mais l'état d'esprit du gouvernement aujourd'hui, c'est de prolonger les aides tant que la crise est présente. Donc le chômage temporaire, par exemple, de mémoire, il est déjà prolongé jusqu'au 31 mars. On va prendre une nouvelle passerelle pour l'année prochaine. Donc ce sont des aides principales. Mais alors les reports de cotisations vont être également prolongés. Pour le moment, la grosse discussion, c'est évidemment avec les banques, puisque la discussion se fait aussi au niveau européen pour voir si l'Europe acceptera que certains crédits puissent être considérés dans certaines catégories spécifiques. Donc il y a un dialogue entre mon collègue Van Petegem et les banques aujourd'hui. Mmh. Elles jouent le jeu, les banques ? Écoutez, j'ose espérer. Je n'ai pas encore d'analyse objective. J'entends que certaines banques jouent clairement le jeu. Oui. J'ai l'impression que d'autres sont un peu plus frileuses. Peut-être qu'elles attendent que cette décision de l'Europe les rassure. Donc moi, en tout cas, je suis prêt. Mon collègue Van Petegem discute avec Fée Belfin pour qu'elle puisse continuer à aider l'économie comme elles l'ont fait soutenir l'économie. Vous en avez touché un mot. Hein. Vous disiez que vous en discutiez avec votre collègue de la justice, mais qu'en est-il du moratoire sur les faillites aussi qui intéressent beaucoup les entrepreneurs, évidemment.
Paradoxalement, cette année-ci, figurez-vous, j'ai lu une étude de Grédon, il y aura moins de faillites en 2020 qu'en 2019. Ça, c'est parce qu'elles sont soutenues par les mesures Covid. Donc, il faut quand même le dire. Ça veut dire que les mesures qui ont été prises permettent quand même de soutenir assez largement les entreprises. Évidemment, la crainte que nous avons, c'est que quand ces aides se termineront, que ce soit l'ouverture d'une digue et qu'on ait un pic de faillite. Donc, on va agir de manière ciblée, puisqu'on va à la fois prolonger le moratoire faillite jusqu'à fin de janvier, mais mettre en place une PRJ spécifique, ça c'est mon collègue Vincent Van Quickenborn qui s'en occupe, qui permettra en quelque sorte de donner de la souplesse aux tribunaux pour pouvoir à la fois donner une PRJ plus longue, plus souple vers les entreprises qui sont saines et qui sont uniquement présentes à cause qu'elles ont un problème de trésorerie, des autres qui parfois étaient déjà dans une situation plus difficile. Donc il y aura une souplesse dans, dans l'implémentation de cela. Mais il faut quand même aussi se rendre compte que on ne doit pas non plus fragiliser toute la chaîne d'entreprises parce que l'on a parfois protégé trop fort certaines entreprises qui n'étaient déjà plus On s'est trompé à un moment dans la direction des aides. Il y a eu tout un débat sur ces aides Covid. Certains ont dit qu'on maintenait les entreprises zombies, entre guillemets, en vie, etc. Mais disons, on a dû prendre des décisions rapides, globales, qui visaient tout le monde. Et donc, on a aidé tout le monde, même les zombies. Mais maintenant, on doit veiller à ce que la politique qui sera mise en œuvre début de l'année prochaine soit souple envers les entreprises saines, mais ne soit pas une recapitalisation inutile des zombies qui seraient disparus. Parce que sinon, alors on met en péril les entreprises qui font des contrats avec ces zombies, et donc c'est une boule de neige qui pourrait implémenter l'économie. Alors je rappelle que vous aurez l'occasion de poser des questions dans quelques minutes au ministre David Clarinval, mais on va peut-être revenir aussi sur ce fameux plan de relance qu'on attend beaucoup ici en Belgique. 5 volets, vous les avez développés en introduction, mais très concrètement, comment ça se passe alors? Les entreprises qui voudraient ou qui souhaiteraient y participer à ce plan de relance, elles doivent soumissionner. Ça va se passer comment dans la pratique, David Clarinval? Mais je sais que la FEB a fait un appel aux entreprises pour qu'elles puissent remettre des dossiers. Donc je crois que c'est en cours. Soyons de bon compte, l'Europe impose quand même qu'il y ait une forme de réflexion globale, stratégique sur ce plan. C'est pour ça qu'il n'y a pas seulement des investissements, mais il y a aussi des réformes structurelles à mettre en place. Et donc, l'État fédéral va prendre le budget européen, mais aussi y adjoindre des budgets spécifiques pour avoir un plan qui soit plus ambitieux. On a un ordre d'idée de la grandeur? Non, je laisserai Thomas Dermin en... Ce sera la semaine prochaine. À mon avis, il aura des chiffres à vous donner la semaine prochaine. Je sais que l'Europe, en tout cas, elle donne plus ou moins 5 milliards d'euros. Espérons qu'on puisse aller au-delà. Mais il faut éviter que ce soit simplement une juxtaposition de fiches pour ne pas qu'on parle d'un saupoudrage sur des infrastructures qui auraient vu le jour naturellement. Il faut que l'on ait une réflexion qui soit basée sur les secteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, la digitalisation, le climat, la compétitivité des entreprises, et qu'on puisse avoir créer une différence dans ces secteurs-là. Et que les retombées soient en Belgique aussi. Bien sûr. Donc c'est l'idée, c'est que ça relance l'économie belge. David Clarinval, au niveau du digital, on en est où dans la digitalisation des entreprises belges? Il y a certains rapports récents qui disaient que les TPE, les très petites entreprises, avaient encore du mal à se mettre à niveau. Qu'est-ce qu'on peut dire, si vous deviez... Mais disons que mon collègue Mathieu Michel est en train de travailler sur cette piste-là, parce qu'en effet, on constate encore, malheureusement, que beaucoup d'entreprises sont encore trop loin, ou pas suffisamment impliquées dans la digitalisation. Ça avance, il y en a qui sont très bien, qui sont en pointe, mais surtout les petites entreprises, les TPE, ont encore des difficultés. On l'a vu avec le click and collect, puisque nous avions décidé de mettre le click and collect à disposition des commerçants. À peine 50% des commerces ont pu utiliser cet outil. Et donc, c'est clair qu'il y a du retard à rattraper. Moi, je ne doute pas qu'on va, à la fois par l'axe digitalisation du plan d'investissement, mais aussi par le dynamisme du gouvernement et notamment de Mathieu Michel, mettre en place des outils qui le permettront. Je vais simplement faire une digression pour vous parler, par exemple, de l'accès au marché public pour les entreprises. C'est clair que
2016, la réforme de la loi sur les marchés publics avait pour ambition d'augmenter la part des PME qui accédaient aux marchés publics. Finalement, on constate que c'est l'inverse qui s'est déroulé. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette obligation des entreprises d'accéder à certains marchés par des accès digitaux. Et donc, on peut imaginer que certaines entreprises ont reculé et que ce soit les plus grandes entreprises qui ont pu... Et donc, je crois qu'il faudra notamment, sur cet axe-là, mieux former, expliquer aux entreprises. Moi, j'ai créé un club d'entreprises quand j'étais bourgmestre dans ma région. C'est le genre d'endroit où l'on pourrait vraiment aider les entreprises, les PME, et faire des formations qui leur permettent d'avoir un meilleur accès au marché public. Alors, on parle souvent des très petites entreprises, des grandes entreprises. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les moyennes entreprises, moins de 50 personnes? Est-ce que là, il y a un axe aussi à développer et sur lequel vous pouvez bosser, travailler? C'est un constat que j'ai fait dans les aides qui ont été mises sur la table jusqu'à présent. Il y avait souvent des aides qui étaient assez bien ciblées pour les PME, pour les indépendants, parfois l'indépendant avec son épouse ou son époux, ou alors avec un ou deux travailleurs. Les grandes entreprises ont été assez soutenues aussi parce que elles avaient souvent des accès bancaires privilégiés, ou alors elles étaient déjà soutenues par des outils comme la SFPI ou la Sowalfin en région wallonne. Et donc j'ai l'impression que c'est l'entre-deux qui est parfois un peu oublié. Qui est laissé pour compte. Qui est plus difficile, en tout cas. Parce qu'elles sont trop grandes que pour que les aides ciblées sur les indépendants soient utiles. Un chef d'entreprise qui a 50 travailleurs, bon, le droit passerelle, c'est bien, mais ça ne sauve pas, ça ne sauve pas son entreprise. Et trop petite que pour avoir accès au marché financier plus conséquent, ou alors aux mesures d'aide de la SFPI, par exemple. Donc, dans les mesures solvabilité qui sont en place, je sais que mon collègue Van Petegem vise aussi à pouvoir aider ce créneau-là qui est un peu plus en difficulté, me semble-t-il. Misschien een vraag in het Nederlands, meneer Clarinval. Wat zijn de maatregelen die België heeft genomen om door de Brexit te kunnen gaan? Ja, natuurlijk. De Brexit is een dringende zaak. En onze ondernemingen moeten hierin optimaal worden bijgestaan in hun internationale activiteiten. En de impact van de douanescontroles op de handel met de Verenigde Koninkrijk moet zo min mogelijk zijn. Dankzij de Brexit Impact Scan, donc de Brexit Impact Scan, van de Fonds d'économie kunnen de ondernemingen bepalen welke punten hun aandacht werken en welke maatregelen zich vanaf vandaag moeten nemen om zich voor te bereiden op de Brexit. En dus de bedrijven die exporteren in de Koninkrijk of in de andere landen out of Europa moeten de Brexit Impact Scan de oefening maken voor de exporteren maken. Donc on est relativement bien préparé. Vous êtes confiant que voilà, ça va être très difficile à digérer l'impact de ce Brexit, mais on a les outils en main pour passer au travers, c'est ça. En fait, pour les entreprises exportatrices, il faut savoir que l'Angleterre est notre quatrième client. Donc c'est vraiment un partenaire important de notre économie qui va quitter l'espace européen. Et donc, on ne doit pas avoir de nouvelles règles trop compliquées, des contrôles de douane trop difficiles. Mais on craint que l'Angleterre ne mette en place vraiment des procédures complexes. Et c'est pour ça qu'on a mis ce Brexit Impact Scan. Donc, c'est un outil numérique qui permet aux entreprises exportatrices d'effectuer un monitoring, voir si elles ont rempli toutes les obligations et de pouvoir ainsi exporter vers l'Angleterre. J'ajouterais que si elles font cet exercice pour d'autres pays, cet exercice est valable aussi pour d'autres pays hors espace européen. Donc, c'est un bel exercice que nos entreprises exportatrices doivent faire. David Larinval, question maintenant qu'on va prendre de Traxio, qui est de la Fédération du secteur de la mobilité, sur les entreprises en difficulté, les entreprises familiales. Ils demandent, voilà, quand ces entreprises ont besoin d'un pont financier pour survivre,
comment et quand est-ce qu'il va venir ce pont financier, hein. On a annoncé sa mise en place, mais voilà, peut-être que ça tarde un peu, peut-être sur le secteur de la mobilité alors, plus particulièrement. Oui, je l'ai dit, le transport et la mobilité sont terriblement impactés. J'ai eu des contacts notamment avec la Fédération des autobus, on constate, et des autocars, on constate qu'en effet, le marché s'est vraiment réduit à peau de chagrin. Et donc, il faut des mesures spécifiques. C'est ce que j'évoquais dans les mesures de solvabilité qui devaient être apportées rapidement, parce que il y a, pour ces secteurs-là, une crise qui va durer beaucoup plus longtemps. Et donc, on ne va pas revenir sur la PRJ, on en a déjà parlé, mais il faut qu'il y ait une prise en charge, notamment financière, par d'autres mécanismes de solvabilité. Et je sais que mon collègue Van Petegem travaille là-dessus. On peut imaginer des prêts subordonnés, on peut imaginer du quasi-capital. Il y a d'autres pistes. Le bureau du plan a évoqué également des mesures. J'étais hier en discussion avec la Fédération Wallonne des entreprises et elles étaient également demandeuses et elles proposaient des idées. Donc je sais que dans les semaines qui viennent, on aura une solution spécifique là-dessus, mais pour le moment, il est trop tôt pour le dire parce que c'est mon collègue Van Petegem qui est en charge de ça. C'est lui qui est en charge de régler ça. Pour ce qui est des aides qui sont mises en place pour les entreprises innovantes, notamment dans le domaine de l'agriculture, etc., pour la reconversion aussi vers toute cette agriculture renouvelable et plus durable, qu'est-ce qui est mis en place là ? Mais honnêtement, dans les mesures de soutien à court terme, il n'y a rien par rapport à cela. Mais par contre, dans le plan d'investissement donc, et de résilience, là, il y a un axe innovation très clair. Et donc, c'est clair que par ce biais-là, on veut aider les entreprises aussi éventuellement à se recycler vers d'autres créneaux parce que la crise que nous traversons aura un impact aussi sur les aspects culturels de notre société. Mm-hmm. Et on constatera fort probablement qu'il y a des modifications sociologiques. Et donc, il faudra que certaines entreprises s'adaptent et modifient leur manière de voir les choses. Rien que sur le télétravail, par exemple, on constate entre ce qui se passait l'année dernière et aujourd'hui, il y a un monde de différence. Donc, les vidéoconférences, c'est bateau de le dire, mais maintenant, tout le monde pratique cela aisément, alors que moi, je vous avoue qu'avant le Brexit, le Covid, je n'avais quasiment jamais pratiqué ce genre de conférences. On voit que le télétravail va engendrer moins de présence de travailleurs dans les villes, et donc un déplacement de la consommation vers les périphéries urbaines, et donc avec peut-être aussi pas seulement une réadaptation sectorielle, mais aussi un déplacement de la consommation. Donc tout ça doit être anticipé, et c'est dans ce plan de résilience que l'on vise à soutenir celles et ceux qui vont proposer des projets allant dans ce sens-là. Encore une question qui nous vient de téléspectateurs qui suivent le débat sur le site web. En matière de solvabilité, David Clarinval, quels sont les organes et les invests qui vont aider, qui vont porter les entreprises? Ils ne sont pas toujours très adaptés. La Sogepa, notamment en Wallonie, c'est plus sur les entreprises en reconversion. Il y a un peu plusieurs outils, plusieurs invests. Comment on s'y retrouve là-dedans? Oui, justement, je sais que Willy Borsu vient de lancer une refonte globale des outils de solvabilité, puisque si je ne m'abuse, et excuse-moi Willy si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression qu'il a l'intention de fusionner les différents organes. Donc la SRIW, la SOGEPA, voilà. La SOWALFIN, ça c'est côté wallon. Voilà, côté wallon. Côté flamand, j'ai moins d'informations, mais je crois qu'il y avait déjà eu une restructuration là-bas qui permettait d'avoir une réponse assez rapide. Donc, c'est clair qu'il y a à la fois les outils régionaux, mais aussi la SFPI fédérale. Et j'ai constaté parfois que les périmètres de travail des uns et des autres n'étaient pas les mêmes. Mais il faudrait éviter qu'il y ait entre ces deux périmètres des oubliés. Et donc, peut-être qu'il faudrait, et ça, c'est, je me répète, mais c'est mon collègue Van Petegem qui travaille là-dessus, il faudrait peut-être voir s'il n'y a pas des entreprises qui sont trop petites que pour être soutenues par la SFPI et trop grandes que pour être soutenues par les outils régionaux. On a eu le cas quand on a soutenu les acteurs du monde aérien.
On a l'entreprise un bagagiste qui était actif à la fois en Flandre et en Wallonie. On a dû intervenir au niveau fédéral parce que, évidemment, comme l'entreprise était très active sur les deux régions, il y avait des discussions à ce niveau-là. Et donc, je pense qu'il y a un seul créneau là qui doit être mieux couvert et je sais que mon collègue Van Petegem y travaille. Les moyennes entreprises. Pour ce qui est de la SFPI, peut-être, donc ça c'est le bras financier au fédéral, c'est utile à nos entreprises aussi, le job qu'elles font. Certains ont parlé de la transformer en vrai fonds souverain. Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait ce genre de choses dans l'accord de gouvernement, mais ce n'est pas moi qui suis en charge de la SFPI. Oui. Mais je peux vous dire en tout cas que la SFPI est très utile. Elle aide de nombreuses entreprises et des entreprises qui sont parfois majeures ou stratégiques pour notre pays, et ce serait une erreur, je pense, que de ne pas avoir cet outil encore plus efficace pour soutenir nos entreprises, surtout les entreprises stratégiques qui couvrent la totalité de notre territoire. Ouais. Encore une question qui nous vient d'un téléspectateur. Hein. Tout le monde parle du buy local, acheter local, parce que ça génère beaucoup d'emplois, de taxes locales, nous dit-il, qui aideront à payer et à traverser la crise. Pourquoi est-ce qu'on continue à acheter par adjudication à l'étranger, alors, David Clarimbal? Ça, c'est un dilemme. Cet intervenant a tout à fait raison. Il faut, dans nos comportements quotidiens, et c'est certainement pas moi, ministre des Indépendants et de l'Agriculture, qui veut dire le contraire. Il faut acheter local, il faut soutenir nos indépendants locaux, nos commerçants locaux. Mais d'un autre côté, les adjudications publiques doivent veiller à ce que tout le monde ait un accès au marché public. Il serait anormal qu'il y ait des accès privilégiés à certains marchés publics. Donc, par exemple, qu'on puisse restreindre à certaines catégories d'entreprises. Et dès lors, ça, c'est sur le plan européen, c'est le libre accès, c'est la liberté. Pour un libéral, on y tient beaucoup aussi. Ne pas mettre de protectionnisme, quoi. Mais non, pas de protectionnisme. Mais soyons quand même, il ne faut pas être naïf non plus. Quand on voit comment les Américains se comportent et d'autres continents, on constate qu'il y a parfois des mesures, en tout cas de protectionnisme soft, qui sont mises en place. Mm-hmm. Donc, moi, je ne suis pas fermé à ce que l'on ait plus de clauses sociales ou clauses environnementales dans les marchés publics et donc de dire on peut choisir une entreprise, mais qui privilégie tel ou tel type d'activité, de telle sorte à ce qu'il y ait quand même un accès général pour les entreprises qui respectent ce critère-là en plus. Mais donc favoriser, c'est ça peut-être le local et le durable. En tout cas, ceux qui respectent nos normes sociales et environnementales. Clairement. Une question qui devrait vous plaire à vous, le libéral. La première simplification ne serait-elle pas de diminuer les aides et en parallèle la pression fiscale? je souris parce que c'est la première ligne du programme libéral. Hein. On est bien d'accord. Il faut apprendre aux gens à pêcher plutôt que de leur donner un poisson. Je veux dire, ça c'est la base. Mais bon, voilà, je pense qu'on peut aussi agir sur les deux volets. Et donc, on peut à la fois donner des aides parce que en effet, à certains moments, comme dans des crises comme celles qu'on traverse, l'État doit jouer son rôle et doit aider les entreprises ou les citoyens qui sont dans des situations de crise insurmontables. Mais ça ne doit pas non plus devenir un excès avec un interventionnisme à outrance de l'État qui commence à guider les comportements des uns et des autres. Et donc, il faut en effet voir si la fiscalisation, la fiscalité qui est mise en place n'est pas excessive. Donc, c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Il est bon l'équilibre aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui ou pas? Mais moi, je trouve que sous le gouvernement Michel, le tax shift avait permis vraiment de donner quand même un coup de pouce. La réforme de l'ISOC avait aussi donné un coup de pouce aux entreprises. Donc, il faut poursuivre ce travail. Tout en respectant l'accord du gouvernement qui est équilibré sur ces matières. Qui évoque une prochaine réforme fiscale aussi, l'accord du gouvernement. Elle va être étudiée pendant la législature. Alors, il y a un assureur qui nous demande ceci. Beaucoup de ses clients ne peuvent pas exercer leur activité. Ces fermetures, c'est sur base scientifique et c'est justifié. Parce que là, il y a évidemment tout le débat d'actualité de la semaine dernière, dans la foulée du comité de concertation, évidemment. Et il nous rappelle, cet assureur, que les dégâts économiques sont énormes. Donc, il veut savoir si ces fermetures sont scientifiquement étayées ou si c'est juste un électrochoc symbolique, pour reprendre une célèbre expression.
je ne m'exprimerai pas sur cet électrochoc. Je peux rassurer cet assureur, parce que c'est un peu rigolo de dire ça, mais pour lui dire qu'en fait, depuis que Sophie Wilmès a mis en place toute une série d'organes scientifiques qui donnent des rapports préalables à toutes les réunions, au comité de concertation, etc. Et donc, ça a eu plusieurs noms. Ça s'est d'abord appelé le GAIS, puis ensuite CELEVAL. Aujourd'hui, il y a un groupe d'experts présidé par un Covid bureau, figurez-vous. Un Covid bureau. Oui, oui. C'est le bureau du groupe d'experts Covid. Donc COVID voilà, ça peut évoquer des choses à certains, mais voilà. Et donc, ces scientifiques sont dans leur rôle. Ils écrivent des rapports et ils donnent des éléments scientifiques pour permettre aux politiques de décider in fine ce qu'il faut faire. Oui, donc c'est étayé, c'est ça que vous voulez. Toutes les décisions qui ont été prises depuis le début de cette crise ont chaque fois été étayées par des rapports scientifiques. On a discuté du 27 septembre. Je peux vous assurer que CELEVAL avait mis un rapport à l'époque. C'est clair, c'est net. Ici, pour la fermeture des commerces, il y a également un rapport donc à ce moment-ci, c'était le CELEVAL encore, qui a dit qu'il fallait soit fermer les commerces, il avait marqué, et ou créer un périmètre de 5 à 10 kilomètres autour des maisons de chaque individu. Donc, les scientifiques proposaient de faire les et ou, les deux. On a décidé de ne pas faire le périmètre autour des maisons, comme cela se fait en France, mais de uniquement fermer les commerces dits non essentiels, même si ce terme est barbare. Et donc, ça a été étayé, ça a été mis sur noir sur blanc, sur papier par les scientifiques. Ça a été l'objet d'une discussion. Rappelez-vous, c'est dans le cadre de cette discussion que j'ai demandé que l'on ait une réunion le 27 septembre pour évaluer cela, parce que j'étais en effet bien conscient que cela allait avoir un impact majeur sur notre économie. Et dès lors, on a pu obtenir le 27 que l'on réouvre les commerces. Parce que de nouveau, il y avait eu un rapport disait que les commerces n'étaient pas un élément majeur de la propagation du virus. Les experts, mais alors il y a une discussion autour de ce que sont ces experts scientifiques. Est-ce qu'ils intègrent aussi des disciplines comme les économistes, voilà, etc. Et c'est là-dessus que porte le débat aussi. Donc ce débat est présent depuis le mois de mars, puisque en fait, les virologues ont évidemment leur expertise en termes sur le plan sanitaire, mais on veille à ce qu'il y ait un équilibre dans la composition des comités d'experts, parce qu'il faut aussi des psychologues, il faut aussi des économistes qui viennent un peu contrebalancer le point de vue uniquement sanitaire, parce que on peut avoir une politique sanitaire extraordinaire, mais avec des conséquences économiques ou psychologiques désastreuses. Donc il faut trouver un équilibre. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs comités dans l'histoire de cette crise qui ont travaillé. Et aujourd'hui, c'est clair que le comité, le bureau d'experts va être composé de diverses disciplines, dont notamment des psychologues et des économistes, pour pouvoir avoir des rapports d'experts qui soient équilibrés sur ces différents plans. David Larinval, je rappelle que vous êtes ministre des classes moyennes, des indépendants, des PME, de l'agriculture et des réformes institutionnelles. J'ai été ravi d'inaugurer ce nouveau studio de l'AFEB avec vous. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour l'interview du secrétaire d'État à la relance, Thomas Dermine. Merci beaucoup.